Et voilà, le semoir est réglé, j'ai installé l'électronique et le poste de commande à l'intérieur de la cabine. Il me reste plus que maintenant à le remplir et à aller épandre au champ. Donc là, ce que j'apporte pour le colza est composé de 21% d'azote, donc azote ammoniacal, et 60% d'anhydride sulfurique, SO3, donc directement soluble dans l'eau et dans le sol par conséquent, et tout de suite assimilable par les racines. Le reste, ça va être des liants. Et chaque sac fait 600 kg. Là, je vais en mettre 3 dans le semoir. Donc, j'ai un peu plus de 20 hectares de colza à couvrir à 130 kg par hectare. Ça fait pas loin de 3 tonnes de matière de sulfate d'ammoniac à utiliser et à épandre. Et ça représente donc environ 2 semoirs. Donc là, je vais le remplir une première fois. Et avec un second, je pourrai couvrir l'ensemble de la surface. Voilà, les 3 sacs sont mis. Je pourrais en mettre encore, il en va encore la place, il y a encore la place d'en mettre, mais un sac serait là un tout petit peu de trop et puis pas facile à écarter. Et vous voyez que donc mes sacs blancs, c'est pour le colza, et ça, les sacs verts, ça va être pour les engrais de fin de cycle du blé. Donc voilà, on les met bien à l'abri et au sec car ça craint quand même l'humidité. Et puis dans la remorque qui est ici là-bas en vrac, on a du soufre là pour le blé et l'orge. Ce sont des types d'engrais différents, des engrais minéraux sous forme de granulés avec des compositions différentes et qui s'adaptent aux besoins des cultures. Allez, maintenant on va au champ. C'est vrai que là, je vais mettre la bâche. C'est utile lorsqu'il pleut de ne pas donc tremper l'engrais, mais aussi, bon là en ce moment il pleut pas beaucoup, mais aussi pour éviter les projections de terre, des roues ici. Souvent, il peut y avoir de la terre qui est projetée à l'arrière. C'est pas utile que ça soit avec l'engrais. Ça fait des paquets pas utiles et qui peuvent perturber la descente de l'engrais. Direction le champ, là, il est à peu près à 5 km du site. Je ferai un autre aller-retour tout à l'heure pour venir chercher le reste. J'ai bien mis les masses à l'avant, j'ai failli les oublier. Ça permet de mettre du poids à l'avant du tracteur quand même et d'équilibrer l'ensemble. Il faut dire qu'il y a un porte-à-faux important à l'arrière. Gyrophare. Et c'est parti.
j'essaye de me dépêcher car elles annoncent de l'eau d'ici 2-3 jours. Il faut absolument que je le fasse avant. Le risque, c'est que s'il pleut de trop, je ne pourrai plus y retourner. Quand le terrain est trop mou, quand la terre est trop imbibée d'eau, bah, je ne peux plus y passer. Donc là, me voilà arrivé au champ. Là, nous sommes le 1er mars. Pourquoi je viens y apporter ce soufre et cet azote? Alors, ce sont des éléments essentiels pour le colza, pour sa croissance. À ce moment-là de l'année, il est en plein décollement, en plein boom, si je puis dire. Là, il est en train de créer sa future tige. Vous voyez qu'il se redresse. Là, il y a surtout des feuilles. Il se dresse bien droit. Il veut aller s'allonger et puis créer sa future tige. Les jours précédents, il y a une semaine, avant que j'aille au salon de l'agriculture, il était plus tassé que ça. Il était comme ça. Il était à ras le terre. Et là, les fortes chaleurs de fin février le font décoller. Il a faim. Et là, dans la composition d'engrais que j'apporte, il y a pas mal de soufre. Je souhaite apporter 75 kg de soufre par hectare. Et ensuite, l'azote qui est aussi importante, j'en apporterai un petit peu plus tard. Ces deux éléments sont essentiels et aujourd'hui, c'est principalement le soufre avec un petit peu d'azote qui est important à apporter. Pourquoi cette quantité, 75 kg par hectare? C'est aussi la quantité qu'il va exporter lorsque je vendrai les graines et que je les sortirai du champ. Donc il est important que je mette à disposition de la plante au moins ce qu'il va être exporté par les graines. Pour essayer de vous schématiser et de simplifier ces quantités, là je vous parle par hectare, mais au mètre carré, là je vais apporter 7,5 g de SO3, de soufre. Et puis l'azote au total, parce que je vais faire plusieurs apports, ça représentera à peu près, allez, on va dire 15-18 g au mètre carré. Et il faut savoir que les graines récoltées de colza, il faut savoir que chaque mètre carré ici dans nos potentiels, on récolte à peu près 300-320 g au mètre carré. Voilà, on apporte des minéraux à hauteur de 7,5 g de soufre, 18 g d'azote, et puis on arrive avec ça à récolter un peu plus de 300 g de graines au mètre carré. Allez, c'est parti. On va mettre 130 kg hectare de matière brute. Voilà ce que ça peut représenter, 7,5 g au mètre carré. Je vous rappelle, le colza, il va devenir quasiment aussi haut que moi, bien parfois par endroits plus haut que moi. Et là déjà, avant même d'être aussi grand, déjà on distingue les bourgeons. Ça c'est les endroits où il y aura les fleurs et les futurs siliques, les gousses dans lesquelles seront les graines. Et déjà, elles sont ici. J'espère qu'il ne gèlera pas trop fort durant le mois de mars. Voilà, j'en ai terminé pour le colza et le soufre. Viendra ensuite un apport d'azote sous forme liquide, comme je vous disais, et la culture se récoltera d'ici 3-4 mois. Ensuite, je vais passer donc à la fertilisation des blés et des orges. Ça, je vous montrerai ça dans des prochaines vidéos. À mardi prochain, 7h30. Ciao !